Je vais intervenir pour deux points importants. Premier, c'est l'injustice en Guinée. Deuxième, c'est la corruption. Comme hier, j'ai publié décret de Alpha Condé au nom de la constitution en vigueur, selon lui, parce que son constitution, son nouveau constitution est en vigueur, pour nous, ce n'est pas en vigueur. Permettez-moi, on m'a appelé au téléphone. Et hier, il a fait un décret pour que tous les ministres, tous les hauts fonctionnaires de l'État doivent se présenter leurs biens. Et c'est la raison pour laquelle il y a une vague de corruption. Il faut que je vais parler en deuxième point. Donc, mes premiers points, c'est pour l'injustice en Guinée. Mes compatriotes guinéens, chacun et chacun entre vous a vu combien de camions sont en train de transporter les militaires qui ont fait la détention, combien de militaires qui ont fait la détention en maison centrale, mais ils sont en train de transporter tous ces militaires-là au camp Soronconi pour aller torturer ces militaires-là au camp Soronconi. C'est pour vous faire à la connaissance. Parce qu'ils ont fait l'arrestation de centaines de militaires, différents militaires, injustement. Ils ont fait beaucoup de détentions des armées guinéennes. Et militaires, et paramilitaires, et armées de l'air, armées de terre, et sandrans, et policiers, etc., etc. Il y a une centaine de militaires qui sont dans les maisons centrales de Conakry. Mais les maisons centrales de Conakry, le temps de Ahmed Sékou Touré, ça a été construit pour une place de 300 personnes. Maison centrale de Conakry. Normalement, on doit faire une réforme ou bien construire un nouveau centre pénitentiaire dans notre pays parce que les prisons de la Guinée, c'est Guantanamo. Quand tout le monde connaît le nom de Guantanamo. La maison centrale de Conakry, Sûreté nationale de la Guinée, ça a été consulté pour 300 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 et quelques personnes dans cette Sûreté. Donc, comment vous pouvez comprendre ça? Des places de 300 personnes, maintenant, on met place de 3000 personnes là-bas. Même si il n'y a pas de. Il ne faut pas torturer la personne, seulement la situation que. Comment ils vont vivre là-bas? C'est dans les Guantanamo, comme ils sont dans les. Sous des torturations à mort, d'abord. Maintenant, à part de ça, le sang qui sont là-bas, ils sont en train de torturer les gens, maltraiter les gens. Ils ont fait la détention plus de centaines de militaires. Sans compter combien de centaines de sociétés civiles, le politicien, société civile, activiste, liberté d'opinion, etc., etc. Maintenant, c'est pour vous faire à la connaissance. Toute l'injustice, n'importe quelle injustice, il y a un prix à payer. N'importe quelle injustice que l'État va commettre, ça va fragiliser la bonne convivialité, ça va fragiliser la bonne vivre ensemble. Parce que l'injustice d'un État, l'injustice d'une autorité, ça va fragiliser la bonne cohabitation. Donc, ce que nous, on a condamné avec les fermetés, et on a condamné ça avec les fermetés parce que il y a trop d'arrestations arbitraires qui ils ont fait l'arrestation beaucoup de personnes qui n'ont pas mérité d'être arrêtées. Ils n'ont pas mérité d'être encarcelés de toutes ces situations. Donc, avec les acteurs politiques, différents acteurs politiques de la Guinée, ils sont dans les sous-détentions, terroriser ces populations, terroriser ces acteurs politiques. Terroriser ces activistes, terroriser ces syndicats, terroriser ces citoyens paisibles qui n'ont pas normal du tout et c'est une violation flagrante des droits de l'homme que nous on a condamné avec les fermetés, que nous demandons la liberté à tous les prisonniers politiques dans notre pays. Parce que toutes les majorités là-bas, tous les gens qui sont dans les prisons, 90% sont des prisonniers politiques. Tous les gens qui sont dans les prisons guinéennes, différentes localités de la Guinée,
90% sont des prisonniers politiques. Parce que j'en fais, il y a une répercussion fortement, il y a une percussion fortement contre eux par rapport à leurs convictions politiques ou bien leurs convictions sociales, parce qu'ils sont activistes, ils sont liberté d'opinion ou bien ils sont des politiciens. Donc, alors que la démocratie n'est pas dit ça, la démocratie a condamné avec les fermetés ce qu'ils sont en train de faire dans notre pays. Que nous, nous condamnons à faire que les fermetés, parce que ça, c'est inacceptable ce qu'ils sont en train de, ce qu'ils sont en train de dérouler dans notre pays. Donc, nous demandons la liberté immédiate, sans condition. Liberté immédiate, sans condition à tous ces prisonniers politiques dans notre pays. Parce qu'ils sont des prisonniers politiques. Surtout, les activistes, surtout les athées politiques avec ces militaires. Si c'est un criminel, un braquage ou bien un malfrat, nous on peut dire que la justice doit faire son travail. Mais ils n'ont rien fait du mal. Parce qu'ils ne pensent pas de la même manière comme Alpha Condé, avec ce clan mafieux, ils voulaient qu'ils vont penser. Ils ne peuvent pas défendre la même valeur ce que Alpha Condé avec ce clan mafieux. Ils voulaient qu'ils vont défendre. Parce qu'ils ont des différentes idéologies politiques, ou bien différentes convictions politiques, ou bien différentes visionnaires. Donc, raison pour laquelle ils ont eu cette torturation et cette répercussion à leur personne. Donc, tous les prisonniers dans sa globalité, tous les prisonniers politiques, tous les gens qui sont été sur l'arrestation arbitraire, nous demandons la libération. Même aujourd'hui, je vais vous dire, ils ont fait l'arrestation Sekouyaya Diallo, l'un des coordinateurs généraux de FNDC. Sekouyaya Diallo, qui n'ont pas mérité du tout. Donc, il y en a plein. Donc, il y a centaines de personnes qui sont sous l'arrestation arbitraire. Donc, la démocratie n'a pas dit ça. La démocratie, ça c'est anti-démocratie. Ça c'est être malhonnête et anti-démocratie. Ça c'est être dictateur. Donc, c'est être un gouvernement de sauvages, des animosités. Mais la démocratie n'a pas dit ça. Parce que moi, je ne peux pas penser de la même manière que toi, tu penses. Ou bien moi, je ne peux pas... Tu vas me privatiser la liberté d'expression. Tu vas me privatiser de liberté de droit de penser. Tu vas me privatiser de liberté de circulation. La démocratie n'a pas dit ça. C'est la dictature. Ça, c'est l'injustice. Le cancer d'un républicain, c'est pour l'injustice. Cancer pour une républicain, c'est l'injustice. Donc, dans l'injustice, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de bonne cohabitation. Même si on dit dans notre bouche qu'il y a des... qu'on voulait la paix, on voulait la paix. Mais s'il n'y a pas de base de la paix, la paix, il y a une critère, il y a une condition adéquate, il y a une forme pour créer la paix. Maintenant, si la paix, si il y a l'injustice, il n'y a pas la paix. Dans les discriminations, il n'y a pas la paix. Dans l'avis de pouvoir, il n'y a pas la paix. Parce que c'est la loi plus forte. L'autre se sent mal. Quand il a des moyens, donc il va s'avancer. Parce que vous avez fait l'avis de pouvoir contre sa personne que lui n'a pas toléré. Les gens qui sont morts arbitrairement, les gens qui sont morts injustement, le bien public qui sont détruits public, l'injustement, ça y a un prix à payer. Il faut que vous compreniez. Même si vous envoyez les têtes mortes, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il faut dire qu'il va parler ce qu'il pense. Donc vous pensez que l'intimidation est sur des suites qui va me faire mal ou bien qui va me effrayer. Fonny n'a pas peur. Fonny est loin d'être quelqu'un qui a peur. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Il faut que vous compreniez. Donc,
Nous demandons la libération à tous les prisonniers politiques dans les prisons. À tous les prisonniers politiques. Dans quel but vous transportez? Dans quel but vous transportez les armées guinéennes? Centaines d'armées guinéennes à Soronconi. Dans quel objectif réellement que vous transportez les 7 groupes d'armées guinéennes à Soronconi? Quel objectif qui est derrière de ça? C'est pour aller massacrer tout le monde là-bas, pour aller torturer les gens à mort là-bas, ou bien c'est quel but réellement nous voulons connaître? Pourquoi vous avez transporté centaines de militaires à Camp Soronconi? Donc nous nous posons des questions parce qu'on n'arrive pas à comprendre du tout pourquoi vous avez transporté centaines de militaires au mission central à Camp Soronconi. Donc on n'arrive pas à comprendre du tout. Donc il faut que vous nous informiez. Maintenant, c'est tous les militaires là à une famille. Tous les militaires là à un enfant. Tous les militaires là venus dans cette famille. C'est tout ce groupe-là, tous ces militaires et paramilitaires-là, ils sont venus dans cette famille, ils sont les responsables de leur famille. Maintenant, leur famille va prendre une autre méthode. Ça va avoir une conséquence. Donc, maintenant, tous ces armées-là, tous ces militaires et paramilitaires venus dans cette famille, ils sont des frères et sœurs, ils sont des papas, ils sont des pères de famille. Leur famille, les douleurs qu'ils vont vivre actuellement, le douleur qu'ils vont revivre actuellement, leurs femmes, leurs enfants, absent de leur famille, ou bien il y a certaines femmes qui sont là-bas, leurs enfants aussi, l'absence de l'amour maternel là-bas, ça va avoir une répercussion parce qu'ils ont été arrêtés arbitrairement parce qu'ils ne pensaient pas la même manière que vous pensez. Donc il faut que vous compreniez ça. Donc, dans l'injustice, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de bonne cohabitation, il n'y a pas de progrès. Toujours, on va avoir plus en plus pauvres et misérables. Sans l'avenir, on va être bloqué. C'est ça le premier point. Et on va aller à deuxième point parce que je dois sortir. Vous allez me excuser le vidéo pour ne pas être trop long aujourd'hui parce que j'ai un autre programme. Maintenant, hier, Alpha Condé a fait un décret de anti-corruption en un mot. Décret de anti-corruption, décret de vérification des patrimoines des hauts fonctionnaires de l'État. Donc, le décret là est très bon et très salueux. Mais on ne sait pas quelle personnalité est vigilante. Si c'est une manière juste, si c'est une manière sincère et transparente, donc c'est quelque chose salueux, c'est quelque chose qui est très bon. Mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont visées? C'est un décret sincère ou bien est-ce que c'est un décret sincère? C'est ça que nous rentrons dans, nous on fait des observations. Parce qu'on doit vérifier tous les hauts fonctionnaires des cadres de l'État depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les personnes, tous les hauts cadres, le ministre, chef de cabinet, secrétariat et ainsi de suite, donc avec différents départements, parce que avec ZAC 518 que Alpha Condé a créé en 2012, Alpha Condé a créé un groupe maisonnaire, un groupe de clans, un groupe de milices qui s'appelle ZAC 518. En un mot, ZAC 518, la définition GM Alpha Condé. Groupe 518. GM Alpha Condé 518. ZAC 518. Donc, le groupe-là, on doit vérifier leur patrimoine. Avec tous les cadres de l'État, tous les hauts fonctionnaires de l'État, toutes les personnalités que Alpha Condé a nommées depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a commencé là-bas, on peut connaître, c'est un décret sincère, c'est un décret transparence. Moi, personnellement, je vais supporter. Même Alpha Condé, je vais faire des campagnes pour supporter Alpha Condé, par exemple, si c'est dans l'honnêteté, si c'est dans la transparence, si c'est dans la sincérité, sans un parti pris, sans la discrimination.
avec toute l'honnêteté, si le décret est appliqué comme ça se doit, si le décret est appliqué comme ça se doit, sans un parti pris, sans une discrimination, sans un parti, sans un partidisme, sans ethnocentrisme, sans régionalisme, si ça a été appliqué comme ça se doit, c'est un bon décret. Mais si le décret n'est pas sincère, ça n'a pas appliqué comme ça se doit, ça n'a pas, si le décret n'a pas été appliqué équitablement, sincèrement, c'est pas bon. Si c'est certaines personnalités seulement qui est visée, cet décret est fait sortir pour contre certains seulement personnalités parce que à cause de leur appartenance ethnique, ou bien à cause de leur appartenance politique, ou bien à cause de leur appartenance d'origine région, parce qu'ils sont bien dans une région qui pour eux n'ont pas la bienvenue. Si c'est à cause de ça, le décret est malvenu. Mais si c'est un décret sincère, transparent, sans un parti pris, c'est bon. C'est un bon décret. Mais on va voir la exécution de cet décret. Comment ils vont exécuter. Donc, nous, on fait les observations là-bas. Nous, on est en train de faire les observations. Parce que le décret est déjà sorti. Ce qui est écrit dans le décret, nous, on a dit, moi, j'ai des copies de décret. J'ai déjà envoyé les copies à certaines personnes aussi, avec le comité de l'organisation des diasporas, le haut conseil, le groupe de haut conseil de Guinée de l'étranger. J'ai déjà envoyé les copies des décrets dans ce groupe-là pour que, parce que tous les responsables de Guinée doivent connaître le contenu des décrets. Donc, la raison pour laquelle c'est, si certains d'entre vous ont besoin de décrets, ça y est avec moi, l'intégralité des dons. De documents. Tous les documents intégralité, tous les décrets intégralité, entier, complet, ça y est avec moi. Mais si ce n'est pas appliqué comme ce qui est écrit dans les décrets, c'est là-bas que nous, on va réagir. Parce que c'est facile à écrire quelque chose. Mais le moment de l'application, c'est ça qui est plus important. Quand on écrit quelque chose, quand on est consensuel, on est d'accord quelque chose. Parce que cette anti-corruption a été. La décision de anti-corruption venait de la CEDEAO. Nous, on sait. Alpha Condé, maintenant, tous les Africains, ils ont dit qu'il faut qu'on prenne une méthode pour faire. Et pour prendre une mesure anti-corruption. Parce que le cancer de la démocratie, c'est la corruption. Maintenant, ils ont fait un décret. De CEDEAO a fait un décret. L'Afrique de l'Ouest. Pour anti-corruption. Maintenant, avec ce décret de CEDEAO, Alpha Condé a pris là-bas pour faire un décret en mesure de la Guinée. Donc, maintenant, comment c'est écrit? Ce qui est écrit, ça doit être appliqué de la même manière. C'est ça que nous demandons à Alpha Condé. On ne doit pas faire le contraire de ce qui est écrit. Parce que sinon, ça n'a pas de sens de faire ce décret. Ça n'a pas de sens copier, publier, parce que tout le monde va voir qu'Alpha Condé a fait un décret pour anti-corruption, alors que réellement, ce n'est pas ça. Comme avec dans la hypocrisie, dans les malhonnêtetés, dans l'injustice, donc ça, c'est pas la peine, donc ça n'a pas de sens. Si réellement le décret n'est pas sincère, le moment d'application de ce décret, le moment d'application de ce décret que tu as fait hier pour anti-corruption, si l'application n'est pas sincère, si l'application n'est pas transparente, ce n'est pas la peine de commencer. Mais si vous pouvez appliquer sincèrement, honnêtement, transparence, le décret est bon. Parce que l'État, c'est la continuité. Quiconque, n'importe quel président vient, il va continuer la même sommet. Donc, nous, on sait que votre gouvernement, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a tous les dossiers de votre gouvernement. On a tous les dossiers de corruption. Il y a combien de corruption? Nous, on sait. C'est la raison pour laquelle on a tous les dossiers de la corruption. 80% de la corruption qui est passée en Guinée, on a des dossiers. On connaît le patrimoine de chacun et chacun, c'est fonctionnaire de l'État. Chaque ce cadre-là, on connaît leur patrimoine. On connaît leur parcours. Combien de l'argent a été sorti banque centrale, chaque département, que ce soit n'importe quel ministère de la Guinée, n'importe quel département de la Guinée, on connaît, il y a
majoritairement, mais on connaît la majorité, quel dossier de corruption qui est là-bas, quel est leur dossier de corruption, qu'est-ce qu'ils ont fait. On connaît tous les responsables, A à Z. Donc on a des informations, parce qu'on a des gens de terrain qui font l'observation, qui sont en train de regarder et noter tout un à un ce qu'ils ont observé. Même si, il ne faut pas parler, nous on va parler.